parti pour une nouvelle vidéo. Et ici, Thomas du 35, Nawel, big up les premiers. Salam, bonjour à tous. Senzo, je te vois. Comment est-ce que t'as dit, le capitaine toujours présent. Ça fait plaisir. La hyène, Kari, Chacal. Chacal colique. Si, salam. S-Born, big up. C'est bon pour le son. Merci, Coco. C'est parti, Sidi. Allez, on y va. Adine, ça sera la dernière. Et Soldat. D'ailleurs, Soldat, je sais pas si t'as vu, hein, j'ai fait une annonce. Pour vous dire que la chaîne Grand Cap Pro 3 sera peut-être utilisée pour les vidéos des frérots. Donc si tu veux, je peux mettre tes vidéos là-bas, soldat. Sur Grand Cap Pro 3, comme ça, tu auras plus de visibilité et de commentaires, bien sûr, etc. Si ça t'intéresse, hein. Bon, bref. De toute façon, j'en ai parlé dans la vidéo, à la fin de vidéo de Gims. Donc va écouter là-bas, je dis un peu tout ce qu'il faut savoir. Bref, je parlerai plus de ça. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien le nouveau clip de Katy Perry, hein, si vous la reconnaissez pas, c'est normal, elle vient de se couper les cheveux, peut-être qu'elle a même mangé ses cheveux, puisque dans son assiette, on voit des parties humaines, hein, des nez, des oreilles, des pieds, etc. Là, je vous ai montré le gratin, ça va avec le thème, je vous ai montré le gratin du clip, mais bon, on va aller analyser le clip en profondeur, vous allez voir que c'est du délire, en sachant qu'il y a même des parties assez étranges qui sortent, bref, vous voyez ce que je veux dire? Hein, on peut dire des doigts, on peut dire ce que tu veux, bref. Ouvertement, c'est un peu étrange, mais bon, on va analyser ça ensemble. Je pense que je vais pas non plus m'attarder là-dessus, hein. Je vais juste vous montrer que c'est du cannibalisme total, c'est du satanisme au final, hein. On peut pas faire ça en rigolant, hein. C'est pas marrant de faire des clips comme ça, pour moi en tout cas, en sachant que on va aller directement dans le fin fond du sujet. Pour ceux qui ne savent pas que cette fille est démoniaque, c'est simple, j'ai fait déjà 20 000 vidéos dessus, mais bon, allez, je vais refaire une couche pour quand même qu'on parte sur de bonnes bases. Faut savoir que cette fille, Katy Perry, hein, cette inconsciente, a dit, à ce moment-là, en interview, qu'elle a vendu son âme au diable. Allez, c'est parti. Donc, elle voulait devenir la émigrante, ça n'a pas marché, donc j'ai vendu mon âme au diable. Hein, je le remets. J'ai vendu mon âme au diable, c'est bien écrit en traduction, mais je vais entendre de vous-même. Écoutez bien. I send and the devil. Merde. Voilà. En gros, hein, bon, remettez-le au pire, vous allez voir, elle dit bien, j'ai vendu mon âme au diable. Normal. Normal, en interview, parce qu'elle voulait devenir la migrante, etc. On s'en fiche, allez vous renseigner vous-même. Sinon, j'ai même fait la vidéo. Et là, vous voyez, c'est son père qui est devenu pasteur, qui a dit clairement que sa fille est la fille du diable. C'est son père qui le dit, hein. J'ai fait la vidéo, hein, carrément. On peut pas être plus explicite, hein. Son propre daron dit que c'est la fille du diable. Et il est pasteur, pour ceux qui ne savent pas. Il est chrétien, en tout cas. Hein, voilà. Faut le savoir, c'est son propre daron. Hein. Alors, ne nous dis pas que c'est moi qui le dis. Je suis d'accord avec son père, moi, justement. Je suis d'accord avec son père. Bref, on va aller analyser le clip. Bon appétit, le tout nouveau clip avec Migos. Hop, c'est parti. Et ensuite, je vais vous montrer un truc qui va trop bien avec le clip. Bref, on y vient juste après. J'ai fait déjà la vidéo. Je pense que certains vont comprendre de quoi je parle, mais je le laisse pour la fin. Alors, bon appétit. Déjà, c'est en français, hein. Pourquoi, je ne sais pas. À croire qu'ils veulent pas qu'on comprenne. Ils veulent pas que les Américains comprennent directement le sujet, je sais pas, en français, bon. Ou peut-être parce que la gourmandise, la... Merde, comment on appelle ça? Peut-être parce que la France, ce sont des bons cuisiniers, je ne sais pas. Bref, là, les souplastocs, comme une viande, comme de la chair fraîche, les cuisiniers, le cooking spirit, Rizzo, t'inquiète, on y arrive. C'est exactement ça que je vais montrer à la fin. Vous allez voir que le clip est un spectacle qu'ils font déjà toutes les années. Voilà, ils prennent la fille. Dans la farine. Comme du pain. Il m'a dit le crack ça rend parano. Ah là là, mon Dieu. Il a pas vu qu'elle a dit elle-même qu'elle a vendu son âme au diable, mais bon, c'est pas grave. Je te laisse le génie. Regardez, il la tord dans tous les sens. Bon, c'est encore, on s'en fiche. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le clip. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Faut juste regarder, quoi. Voilà, donc vous voyez, ils vont lui mettre les fruits, les trucs, nanani. Bon, je vais juste mettre une petite pause parce que j'ai oublié de le préparer.
le cooking spirit. J'ai fait la vidéo, pour ceux qui connaissent, vous allez voir. Ça fait pas les louanges de cette fête, justement. Hop, bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça arrive, excusez-moi. Le PC RAM, à chaque fois qu'on a une urgence, on dirait. Bon, bref. Hop, image. J'ai fait la vidéo, mais j'irai pas plus loin. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est cette femme-là qui organise le Cooking Spirit, Marina, je sais pas quoi, avec Lady Gaga à côté d'elle. Oui, c'est bien une femme, et elle n'est pas morte, elle est bien vivante, avec du caramel sur elle. Et ils se servent sur elle directement. Voilà, c'est le Cooking Spirit, c'est le Breaking News qui le dit, c'est pas moi, il y a même Robert De Niro qui est là-bas. Hein, pour ceux qui ne savent pas, et là c'est bien Lady Gaga, oui c'est elle. Le Cooking Spirit, j'ai fait la vidéo, pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez voir aussi, ils ont des gâteaux en forme d'humain. Et on va y aller après, je vous montre juste ça, petit à petit. Allez, on continue. On va dire ça existe, hein. Ça existe. On met des fruits et des légumes sur une femme qu'on mange dessus. Bref, bref, bref. On continue. Donc voilà. Et là, c'est parti pour le jacuzzi. Quelque part, le clip, il est marrant. Si on réfléchit bien, il y a un double message qui est positif, qui est marrant, qui est comique, on va dire. Il y a un double message dedans. J'avoue. Dans les choses horribles, prendre du plaisir. Tout à l'heure, elle était en train de se faire malaxer comme du pain, bah c'est comme un massage. Là, elle est en train de chauffer, bah c'est comme un jacuzzi. Vous voyez? Subliminalement, il y a un truc à comprendre là-dedans, c'est que tout passe crème. C'est que le satanisme passe crème. C'est normal. Pour elle, c'est quelque chose de bien. Mais en fait, c'est quelque chose de grave. Elle va passer à la casserole, hein, si on réfléchit bien. Mais elle est en train de profiter, c'est un jacuzzi. Elle sourit, c'est la fête. Il y a un double sens quand même, assez comique. Le vin. Voilà, je vous dis, elle s'éclate, c'est un jacuzzi. Bon, bref, on comprend bien le cinéma, hein, de l'action. Je la kiffe, bon, bref. Voilà, c'est parti, ils sont en train de lui couper les cheveux. Hein, je vous ai dit, ils ont mangé les cheveux. Voilà, on voit, elle coupe les cheveux. Il brûle la langue. Hein, comme quoi déjà, je sais pas si vous avez saisi. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ce petit... J'ai oublié de le dire ça. C'est pas pour rien. Cathy est cuite à point, pas mal elle ici. Pourquoi à votre avis, ils ont brûlé sa bouche, sa langue? À votre avis, et pas autre chose? Ils auraient pu brûler les yeux, ils auraient pu brûler le nez, brûler les pieds. Pourquoi la bouche, la langue? À votre avis, c'est parce qu'elle en dit plein des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça son arme. C'est la bouche. C'est la bouche. Elle chante mal en plus, c'est pas faux. Mais son arme, c'est sa bouche. Quelque part, qui pervert les jeunes, qui fait des musiques à la con, etc. Donc il lui brûle la bouche. Brûle le feu. Hein? Création des djinns, etc. Bref, bref. En gros, elle a des djinns dans la bouche, c'est ça que je vais vous dire. C'est les djinns qui la font parler. La bouche en feu. Bon, là, c'est moi qui interprète comme ça. Hein. Je dis pas que c'est une... C'est ma théorie, c'est ma théorie. Bref, allez, on continue. Elle a pas de goût, pas mal aussi, Emmerich. Comme quoi, elle a pas de goût. C'est pour ça que la bouche est brûlée. Aucun goût. Aucune science entre le bien et le mal, etc. Bref, ouais, ça pourrait aller. Ça pourrait rentrer. Et là, regardez. Je parle du cooking spirit. Hein. Regardez. Là, on est dans le cooking spirit total. Total. Et je vais vous le prouver. Hein. Là, on est dans le cooking spirit total. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des choses qui existent qu'on voit là. Ça se passe vraiment. Des gens mangent comme ça autour des femmes et tout. J'ai déjà montré ça, mais je vais vous montrer la même scène identique. Alors écoutez, on va la trouver. Elle est où? Voilà, elle est là. Et non, c'est pas le clip. C'est pas le clip de... Katy Perry, non, c'est le Cooking Spirit. Il y a des places, ce sont Robert De Niro, Lady Gaga, nanani, nanana, qui mangent là-bas. Hein, sans parler de Pizzagate et tout, qui sont en relation avec Marina, qui crée ça, là. C'est qui crée ça, Marina. Hein, c'est cette fille-là, Marina. Pour ceux qui ne savent pas, c'est elle, là. C'est elle, Marina. C'est elle qui crée cet événement, qui est là, d'ailleurs, en train de se servir. C'est elle, là. Voilà, c'est elle qui a créé ça, Marina. Allez vous renseigner, c'est une satanique totale. Hein. C'est confirmé, c'est connu. Hein. Et regardez, vous pouvez aussi trouver des têtes comme ça. Normal. Maintenant, c'est quoi le délire? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Ils regardent manger, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font, leur tête, ici? Il y a des numéros, hein, la place 39. Putain, déjà, toi qui es là, honte à toi, hein, déjà. Mais bon, bref, regardez, hein, ça continue.
Voilà, le cooking spirit, hein, c'est bien ça. Hop. Regardez, ils sont en train de manger autour de... Et c'est qu'ils sont tous habillés en docteur en plus, ça aussi c'est important. Ce sont des stars, mais ils sont tous habillés en docteur. C'est un costume, c'est le costume de l'événement. Et voilà, ils sont en train de manger des choses en forme humaine. Et regardez, regardez le massacre. Et non, c'est pas quelqu'un, bien sûr, là c'est un gâteau. Là c'est un gâteau, mais regardez le concept quand même. Il faut savoir que le gâteau, pour le manger, il commence par le cœur. Il y a des... À la fin, c'est un massacre. Et il commence le gâteau par le cœur. Je l'ai prouvé dans la vidéo, je vous laisse aller vous renseigner. J'ai fait la vidéo, hein. Cooking Spirit, Grinca Prod, j'explique tout de A à Z, vous verrez. Voilà, j'irai pas plus loin, on continue. On continue, c'est ça qu'on voit, les gars, hein. C'est ça. Et ça m'étonne même pas que Katy Perry aille aussi dans ce genre de. Dans, au Cooking Spirit. Ça m'étonne pas que Katy Perry soit une invitée d'honneur. Et que là, elle a fait carrément un clip pour dédicacer cet événement. Tout simplement. C'était pas du hasard, c'est pas rien, hein. Ça existe, hein. Et voilà, et après, il y a le Renoir de service, toujours pour mettre la pilule, pour vendre au Renoir. Ça ouvre le commerce, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. C'est pas que Katy Perry aime bien les noirs, hein. Non, non, non. C'est que là, elle s'attaque à deux commerces, le rap et à la variété. Et c'est pour augmenter leur vente, c'est tout. C'est pas parce qu'elle est amie avec les noirs ou quoi que ce soit. Le noir est un objet, hein, pour eux, faut le savoir quand même. Et il est aussi un bon lèche-botte. Et les amis là? Bon, bref, allez, je vais pas analyser les trucs, ça sert à rien. On a vu le pire, on a vu le pire. Tout le reste n'est que futile. Louange au Cooking Spirit, basta. C'est tout ce qu'il faut savoir retenir de ce clip. Et voilà. Mais Kendrick Lamar, lui, parle de Lucifer ouvertement. Je suis pas au courant, Nassim, mais Kendrick Lamar dit beaucoup de choses intéressantes si on écoute bien et si on lit les traductions. Donc, je ferai une vidéo peut-être si ça mérite. Il y en a qui disent qu'il est dedans, il y en a qui disent qu'il dénonce. Bon, il y a le 50-50 sur Kendrick Lamar. Donc moi, content que j'ai pas les preuves, je vais pas. Voilà. Je dis peut-être. Donc là, voilà, maintenant elle fait la prostituée sur la barre. Bref. En sachant qu'ils lui ont mangé les cheveux. Ils ont vraiment mangé ses cheveux. Hein. Dans le clip en tout cas, c'est ce qu'il faut montrer. Et à la fin, voilà. C'est ce que je vous ai montré au début. Déjà, je sais pas ce que c'est cette forme-là. Et non, c'est pas un doigt, hein, sachez-le. Là, il y a un doigt. Là, c'est un doigt. L'ongle, il est comme ça. Vous voyez, là, par contre, je sais pas. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, des pieds, des oreilles, voilà. Hein. Une pizza à l'humain. Une pizza à l'humain, elle est contente. Bon appétit. Voilà. Là, merci. À la tienne. Surtout quand je pense à tous ces Africains qui mangent de faim, il y en a, ils rigolent sur la bouffe. Hein, bref. Bref. Donc voilà, on va en rester sur le cooking spirit. Hein. Regardez, à la fin. Non, c'est pas ici. Bien sûr, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Podesta, qui est un super ami de Marina. Hein. Tiens, regardez, je vous disais que les stars sont conviées. C'est pas une connerie. Je vous ai bien montré la table où on voyait les têtes. Numéro 39, numéro 40, et j'en passe. Et là, vous pouvez voir qui, si vous... Vous voyez pas c'est qui, ce mec? Le Cyclope d'X-Men. Vous voyez pas c'est qui, lui? Le mec qui joue dans... Il joue dans Zoolander 2. C'est le méchant dans Zoolander 2. Il est connu, il fait grave des films comiques. Cette fille-là, je sais plus c'est qui. Mais bon, lui, il est super connu, hein, c'est un comédien extra reconnu. Et regardez, regardez, quand on dit Jay-Z en loge franc-maçonne, quand on dit Jay-Z est satanique, regardez la meuf qui crée le Cooking Spirit, regardez avec Jay-Z. Et pour ceux qui ne savent pas, ce jour-là, c'est le jour où Jay-Z a chanté la musique, je sais plus c'est quoi la musique, toute la journée. Il a chanté pendant 24 heures la musique, sans s'arrêter. Et ce jour-là, Marina est venue lui rendre visite. Déjà, ça pour moi, c'est un rituel satanique. Hein. Là, c'est elle, Marina. C'est celle qui a créé le Cooking Spirit. C'est celle qui. Voilà. C'est celle qui est ici, là. Avec Lady Gaga, tout ça. Cooking Spirit. C'est elle qui a mis ça en place. C'est une satanique confirmée, la copine de Clinton et tout ça. Voilà. Elle est connue, hein. Allez, Marina Ibrahimovic. Regardez sur Wikipédia. Vous allez voir tout sur elle. Pas besoin de. J'ai déjà fait une vidéo sur elle, en plus. Hein, donc, voilà. Et vous pouvez la voir avec Jay-Z. Super le rap, hein. Voilà. Hein, quand vous dites Jay-Z, les Booba, les nanani, nanana, c'est pas des conneries, hein. C'est pas des conneries. Et je vous dis, cette vidéo-là, elle est impressionnante. Pendant 24 heures, il a chanté la même musique, la même musique, la même musique. Et je crois que c'est Paris of Niggas ou un truc comme ça. Je sais plus. D'ailleurs, ça méritait une vidéo. Ça mérite une vidéo, ça, d'ailleurs. Où Jay-Z chante la même musique pendant 24 heures. C'est un truc de dingue. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pourquoi les sataniques viennent le rendre visite, je ne sais pas. À vous de me dire en commentaire. Bon, allez, on en reste là. On est un peu sorti du sujet. Je pense que tout est clair, hein, tout est logique. Katy Perry confirme bien
son délire, en sachant qu'elle a dit, je répète, j'ai vendu mon âme au diable, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. J'ai vendu mon âme au diable pendant cette interview, qui est extra connue. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon allez, on en reste là, portez-vous bien. Ciao. Pour les mecs de mon blog. Avec la rage, certains font des trucs sales. Collabore avec le chétan coincé dans la même salle. Dans l'impasse, avec la rage au ventre et l'amertume dans le crâne. Cuit en poste pour enrichir les plus blindés de cet état. Dans nos poches, on trimballe constamment nos pas plats. Pour nos gosses, on se doit d'avoir le gros paftard. Pour nos proches, il faut plus voir les petits galérer dans le Porsche. Qui voient les petits blindés passer avec leur Porsche. C'est l'époque où le mal remplit tous les stocks. C'est la misère et la haine qui remplit tous les blocs. Ce système veut que tu débloques, te voir traîner dans la poussière. Avec un trou dans le bide, il mérite que des paroles grossières. De ma part, je me rabaisserai pas. De ce système qui sème ses fruits. Et après, c'est nos yeux qui saignent. Je renseigne dans le mal de vivre que contient nos anciens et tous ceux qui sont chiens dans un climat qui est malsain. On a la rage au ventre, car on aimerait s'en sortir. Entre les pages avec de l'encre en guise de larmes, on voudrait dormir tranquille. On en a marre de nos villes et de nos vices. On veut pas ça pour nos fils. On a la rage au ventre, la voix remplie d'amertume. Les pieds scellés au béton et le crâne serré dans les que j'assume, on fume pour oublier tout ce bitume. Nos malheurs et l'habitude de vivre dans la solitude.